Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Notre problème en Algérie est que nous ne savons même pas copier. Et copier des choses toutes simples, copier en modèle réduit, le temps d'apprendre. Et que lorsqu'il nous arrive de réaliser, exceptionnellement, très exceptionnellement, quelque chose d'à peu près positif, c'est qu'il y a anguille sous roche. Et qu'il faut juste gratter un tout petit peu sous le vernis pour découvrir des choses pas très réjouissantes. Il en est ainsi pour la production et l'exportation des produits agricoles. Nous aurions pu apprendre à copier comme font les autres, nos voisins juste à côté, apprendre à produire sain, puis apprendre à exporter normativement, en respectant des normes. Pendant longtemps, nous n'avons fait qu'importer, tout importer, sauf les produits qui poussent presque tout seuls chez nous. Et un beau jour, donc, nous nous sommes mis à produire un peu, et aussi, au miracle, à exporter un tout petit peu de ce que nous produisions. Des oasis verdoyantes ont surgi du désert et de terres jusque-là livrées à elles-mêmes, comme dans la région de Biskra, Maskar, dont celle-là nous avait promis pourtant que Bouteflika allait en faire la Californie algérienne. Maskar attendra encore un peu. Et donc, nous nous sommes mis à produire et même à exporter. Des dattes surtout, qui représentent à elles seules plus de 80% des produits agricoles exportés. Mais il y a un hic et un gros. C'est que les Occidentaux et même le Qatar qui nous achètent nos produits ne plaisantent pas avec la santé de leur société. Ils ont mis en place des conditions et des normes très strictes pour tout ce qui concerne la santé publique de leurs pays respectifs. Parce qu'ils savent, et depuis longtemps, que ce qu'il y a dans leur assiette se répercute irrémédiablement sur la santé du consommateur. Ils examinent donc à la loupe tout ce qui se produit chez eux, et encore avec plus de circonspection, tout ce qui leur arrive de l'étranger. Et c'est ce qui se pratique pour les produits agricoles algériens destinés à l'exportation et qui, zama, sont obtenus de façon séparée, qui ne sont pas traités comme ceux destinés au marché local. Vous m'avez bien entendu, les produits destinés à l'exportation en Algérie sont l'objet de soins zama, attentifs et sont soumis à des normes très strictes parce que les producteurs savent que leurs produits vont être livrés à des êtres humains qui vont les consommer. Pourtant, ceux-ci, ces produits qui sont pourtant traités avec soin, parce qu'ils sont destinés à des êtres humains, sont régulièrement, et depuis des années, ça ne date pas d'hier, l'objet de refoulements avant même qu'ils ne soient embarqués. Ils sont refoulés avant même de partir, pour la plupart d'entre eux. Et la principale raison, quoi qu'en disent les porte-paroles du régime, se trouve dans le non-respect des traitements phytosanitaires. Ça, c'est pour les produits destinés à l'exportation. Je vous laisse imaginer ce qu'il en est des produits destinés aux consommateurs algériens, bourrés de produits chimiques, de pesticides, de fongicides, de raticides et de saloperies en tout genre, dans des doses réellement criminelles, sans aucun respect pour les normes minima. Et je vous laisse imaginer aussi ce que deviennent les produits refoulés par les pays importateurs. À votre avis, qu'est-ce qu'on en fait? On les retire de la circulation? On les détruit? On les incinère? Eh bien non, mes chers amis, on ne les détruit pas, on les fourgue aux Algériens, sans même s'en cacher par ailleurs, ouvertement.
et il ne se trouvera personne pour essayer d'empêcher cette grave violation à la santé publique. Les normes, c'est fait pour les gens civilisés, qui ont des états avancés, des systèmes de santé fiables, une administration rigoureuse et surtout une société civile lucide, consciente, mobilisée pour sa propre défense et qui sait se défendre. Chez les gnous que nous sommes devenus, excusez-moi, tout est bon dans le mouton. Zid el Goudem, Yebo Elem, aujourd'hui. Liberté, catastrophe sanitaire et écologique en vue. Observe Algérie, des produits algériens renvoyés par plusieurs pays. Le ministère du Commerce réagit. El Watan, l'inquiétude monte sur l'usage des pesticides. Produits agricoles refoulés pour excès de pesticides, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, avec nous au téléphone, Dr Fethi Benachnou, médecin de la santé publique, Sassi Balgat, économiste et enseignant-chercheur, Sofiane Benajila, expert agronome, trois invités que je remercie d'être avec nous. Sassi Balgat, vous êtes avec nous ? Oui. Bonjour Sassi Balgat et merci d'avoir accepté notre invitation. Donc nous apprenons que des produits agricoles destinés à l'exportation ont été refoulés par plusieurs pays, soit à leur arrivée à destination, soit avant même qu'ils ne partent, parce que les échantillons examinés ont donc été considérés comme non conforme à la consommation. Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire, Sassi Balgat ? Salam alaykoum. Wa alaykoum salam. Ça fait exactement une année, j'étais à par le local, exactement le 13 juin 2017, et j'ai attiré l'attention sur justement ce phénomène avec un article dans la consommation effrénée des produits phytosanitaires dangereux. Un article d'une page qui est sorti le 13 juin 2017. Donc cette question n'est pas nouvelle. Hein. Oui. Elle ne date pas d'aujourd'hui. Mais en même temps, elle exprime une dualité entre deux agricultures. Deux agricultures qui cohabitent difficilement en Algérie. On a une agriculture de terroir, paysanne, extrêmement rigoureuse. Sassi Balgat, je me permets de vous interrompre. Il y a un petit souci dans la communication. Nous allons. Pardon, petit problème technique, mais je vous promets que nous allons revoir ces images que vous êtes en train que vous étiez en train de voir, qui se passaient en Algérie dans les années 40. Sofiane Benajila est avec nous. Sofiane Benajila. Bonjour Sofiane Benajila, merci d'être avec nous. Alembek. Bonsoir. Bonsoir.
Alors, il y a eu donc des refoulements de produits agricoles algériens pour non-respect des normes concernant la santé publique. Des Algériens ont été très étonnés d'apprendre que non seulement ces produits qui sont refoulés leur sont fourgués à eux, hein, c'est eux qui les vont les manger, qu'en plus, ces produits qui ont été refoulés sont censés avoir été produits dans d'excellentes conditions par rapport aux produits qui sont destinés au marché local qui, lui, ne dispose d'aucun système de contrôle. Mais j'aimerais, avant de vous interroger sur la question, Souyane Benagila, donner un exemple pour que les gens sachent que ce n'est pas des masses hein, qu'on exporte. On exporte un tout petit peu. Et je vais donner un exemple. Par exemple, le Maroc voisin à côté est considéré comme le sixième plus grand exportateur de produits agricoles en Afrique. Regardez, par exemple, en 2017, il a exporté pour 2,5 milliards de produits agricoles. 2,5 milliards de dollars. En Algérie, tenez-vous bien, en Algérie, tenez-vous bien, attachez vos ceintures. Pour la même période, ils ont exporté pour 57 millions de dollars. Vous voyez un peu le 2,5 milliards de dollars pour le Maroc, 57 petits millions de dollars. C'est tout ce qu'on exporte. Et avec ça, le Maroc exporte pour 2,5 milliards de dollars, ses produits sont bons. Ils sont normalisés, ils respectent les normes en matière de traitement phytosanitaire, alors que nous, qui n'exportons que pour 57 millions de dollars, et encore, sur les 57 millions de dollars, il y a 80% de dattes. De dattes. 80% dans ces 57 millions de dollars de dattes. Ça veut dire qu'il n'y a que 20% de 57 millions de dollars qui sont dans tout le reste. Les pommes de terre, la tomate, le carouble et tout. Et donc, comment ça se fait, Soufiane Benagila, que pour si peu de produits exportés, on en arrive à se faire refouler dans plusieurs pays à la fois, et ce, depuis des années, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est parce que, de toute façon, quand on décline des produits à l'exportation, c'est tout un process. On respecte les normes internationales, etc. Donc, si on n'est pas capable de le faire, c'est tout. Mais Soufiane Benagila, est-ce que, je vais vous poser une question très simple, je vous demanderai d'y répondre clairement. Est-ce que ce qu'ils trouvent dans l'assiette des Algériens, sans parler de ces produits destinés à l'exportation, dans l'assiette des Algériens, est-ce que c'est bourré de pesticides, de raticides, de fongicides, comme on dit, ou est-ce que c'est faux, est-ce que c'est la main de l'étranger qui est en train de répandre des rumeurs? Il y a des cas où ça l'est totalement. Il y a des cas où ça dépend, c'est des trucs de hasard. Mais il y a des cas où c'est la catastrophe, quoi. Mais qui contrôle ces produits, Souyane Benagila? Il n'y a pas de contrôle. On n'a jamais vu de contrôle sur les marchés de fruits et de légumes. Et il n'y a pas de contrôle à la sortie de l'exploitation, il n'y a pas de contrôle sur les plans à la limite par rapport aux produits animaux. Il y a des contrôles de base, mais vous savez que, avec un exemple, les antibiotiques qui sont utilisés actuellement, 80% de l'industrie pharmaceutique qui fabrique les produits. Enfin, 80% des produits, des antibiotiques sont destinés à l'agriculture. C'est-à-dire qu'on fait l'engraissement avec l'agriculture. Et nous, on allait toujours refouler avec. Et etc. Donc, vous avez vu ce qui s'est passé pendant avec les viandes qui ne résistent pas, etc. Donc, on a tout vu, quoi. Donc, ces viandes qui changeaient de couleur, qui dégénéraient, c'est dû à ça, à des traitements antibiotiques qui étaient... On voit de tout. On voit des éleveurs qui donnent des hormones aux animaux. On voit de tout.
mais du n'importe quoi. Il n'y a pas. C'est, tout est libre, quoi. Mais c'est quand même incroyable que la santé publique d'un pays soit ainsi négligée au point où il n'y a aucun contrôle, ni au niveau du marché, ni au niveau des exploitations agricoles. C'est complètement ahurissant. C'est-à-dire que les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent, donner à leurs animaux ce qu'ils veulent comme produits chimiques, bourrer leurs plantes de pesticides pour qu'ils restent frais et bien présentables, même s'ils deviennent du poison, ils peuvent le faire en toute liberté. Dans la situation actuelle, les pouvoirs publics, ils n'ont aucun empressement. S'ils ont des moyens, ils sont dérisoires. À partir du moment où on considère qu'il y a une volonté politique derrière. Mais on n'est pas organisé pour ça. C'est incroyable. Restez... On n'est pas du tout. Nous sommes devenus un pays qui est structuré pour consommer et non pas pour produire. Et donc tous les rouages qui sont liés à la production sont rouillés, sont complètement figés. J'entends. C'est 50 ans de la même politique, quoi. Donc on arrive là. C'est normal. Restez avec nous, Souyane Benajila. Nous allons demander l'avis du docteur Fethi Benachnou, qui est médecin de la santé publique. Merci d'être avec nous, docteur Fethi Benachnou. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, moi, je viens d'apprendre, je ne le savais pas, monsieur Souyane Benajila, qui est vraiment du domaine, qui est du métier, vient de nous apprendre qu'il n'y a quasiment pas de contrôle, ni au niveau du marché public, ni dans les exploitations agricoles, que les exploitants sont libres de bourrer leurs légumes ou leurs fruits ou leurs animaux de tous les produits qu'ils veulent et que ça finit dans l'assiette du consommateur, du poison. Vous confirmez, Fethi Benachnou? Sauf toute production agricole ou autre est au-delà de l'aspect événementiel. Que moi, en tant que citoyen, j'ai découvert en lisant les journaux et en regardant les télés. Je crois que ce qui est important, c'est de savoir que ce qu'on appelle engrais, ce qu'on appelle pesticides, ce qu'on appelle améliorants, tout ce que l'on veut, sont des produits chimiques qui interréagissent avec des systèmes qui gère notre corps. Par exemple, le système immunitaire, le système hormonal. Et actuellement, on évoque les perturbateurs hormonaux. Ce sont des produits chimiques, qu'ils soient en Algérie ou qu'ils soient aux États-Unis ou qu'ils soient en Russie ou qu'ils soient au Congo ou dans le monde arabe. L'être humain est un être humain. D'ailleurs, dans le langage courant, on dit que Kuluna ou l'être Sachor. D'un autre côté, l'OMS a établi, l'OMS qui est l'Organisation mondiale de la santé, a établi que l'alimentation a un impact direct et qu'il faut s'en occuper pour éviter l'augmentation, par exemple, des cas de cancer. Nous avons aussi, lorsqu'on ingère ces produits, soit l'effet est immédiat, soit il est reporté dans le temps. Il y a une accumulation, ce qui fait, d'ailleurs, même avec les médicaments, lorsque les doses sont complètement absurdes et ne sont pas respectées, on aboutit à des insuffisances rénales, on aboutit à ce qu'on appelle une cirrhose médicamenteuse du foie qui devient dure et qui perd sa capacité de filtrer et sa fonction, ainsi est ce qu'on appelle les cancers. Les cancers. Ce qui se passe en Algérie, nous avons les instruments de contrôle. Par exemple, nous avons un Institut national de la santé publique qui, croyez-moi, est un fleuron du système de santé
dans sa partie prévention et soins primaires. Il veille à la santé des Algériens. Nous avons aussi une structure dans notre système de santé qui s'appelle le CEMEP, c'est le service d'épidémiologie et de médecine préventive. Nous avons également les bureaux communaux d'hygiène. Ça, en dehors de la production agricole ou autre, qui ont leur propre structure. Ces éléments-là, ces institutions qui ont veillé, qui ont, dans le temps, qui ont été très à cheval sur la protection de la santé publique des Algériens, actuellement, d'après ce que je vois, il y a comme un laisser-aller, il y a comme un endormissement dans le rôle de ces structures. Pardon de vous interrompre, Fethi Ben Achnou. C'est comme le reste. Mais ce que j'aimerais savoir, et je vous laisse poursuivre, parce que ce que vous nous dites est très intéressant, cet institut de la santé publique et ce service d'épidémiologie et de médecine préventive, est-ce qu'ils ont les moyens suffisants pour pouvoir fonctionner d'abord? Est-ce qu'ils ont des programmes? Est-ce qu'ils ont une vision, par exemple, au sujet de cette histoire de produits agricoles qui ne subissent aucun contrôle et qui sont mis dans le marché? Est-ce qu'ils ont la possibilité de pouvoir dire leur mot dans ces domaines-là? Dans tous les cas, il y a le personnel humain compétent algérien formé ici en Algérie. Je peux vous ajouter une autre structure qui est le Centre national de pharmacovigilance et de matériovigilance. Parce qu'en médecine, dans le domaine de la santé, on ne s'occupe pas de, que ce soit un pesticide ou un engrais ou un médicament. Ce sont des produits chimiques qui, à certaines doses, mal pris, mal prescrits, mal distribués et mal utilisés, entraînent des pathologies qui sont très graves et l'OMS a confirmé cela. Nous avons le Centre national, comme je l'ai dit, de pharmacovigilance et de matériovigilance, et qui n'est pas le laboratoire d'analyse des médicaments. Qui existe depuis des décennies et dont le rôle est justement d'étudier l'impact des effets secondaires dangereux, des effets nuisibles sur le corps humain. Je me permets de vous interrompre et je vais revenir à vous tout à l'heure pour vous demander justement la question que je vais vous adresser, de savoir si ces organismes que vous nous citez et d'autres peut-être encore, ont les moyens d'évaluer les impacts que ces produits qui ne respectent aucune norme en termes de traitement phytosanitaire et autres, sur la santé du citoyen. Je vous demanderai de nous dire très précisément s'il est possible d'évaluer l'impact de cette catastrophe sur la santé publique. Je reviens à vous dans un moment et je reviens à Sassi Belgat. J'espère que le son est bon. Oui. Alors, je vous laisse poursuivre ce que vous disiez. Et j'ai une question à vous pour après. Oui, oui. Je crois que... Oui. C'est bon, vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend très bien. Ah, d'accord. Ah, il y a un souci. Il faut aller... au centre de ce problème. Oui. Si vous avez, quand on a un secteur informel qui maîtrise aujourd'hui 80% de notre économie, il a dérégulé complètement le commerce. Et maintenant, il s'est saisi de l'agriculture. Et il en fait ce qu'il veut, il est informel. Il n'obéit absolument à aucune réglementation.
Et la question, elle est là-dedans. Elle est entre une agriculture de terroir paysanne qui respecte les règles. Elle sait faire de l'agriculture. On ne peut pas, je ne laisserai pas dire que toutes les productions agricoles en Algérie sont de mauvaise qualité, qu'on est bourré de ceci, de cela. Cependant, cette agriculture, nouvelle agriculture minière, qui s'est développée un peu du côté de toutes les régions d'Algérie, elle en fait ce qu'elle veut, et elle n'obéit à aucune réglementation, et même le pouvoir, même le gouvernement, même l'État algérien, est dans l'incapacité de contrôler aujourd'hui ce secteur. Il roule à son compte sans respect d'aucune règle. Et c'est lui qui produit aujourd'hui exporte. Parce qu'il a pignon sur rue. C'est lui le maître à bord. Et c'est à partir, si on ne s'attaque pas, et on ne régule pas aujourd'hui l'agriculture, et on ne remet pas le paysan dans leur droit de faire une agriculture correcte, correctement bien faite et productive, là, on va à la catastrophe. Mais et je n'arrête pas d'attirer l'attention justement sur cette dérive de cette agriculture où on bourre le produit. Il n'y a absolument aucune réglementation, aucune réglementation. Ça, c'est Balgat. J'aimerais vraiment, parce que c'est affolant ce que vous nous dites, vous êtes en train de nous dire, je répète vos propres termes, il n'y a aucune réglementation en la matière. C'est complètement hallucinant. Non, écoutez, cette agriculture minière, elle ne respecte aucune règle. Aucune. Et là, les produits phytosanitaires rentrent illégalement, sont vendus dans l'illégalité la totale, sur les marchés hebdomadaires. Et on essaye de fourguer à des paysans analphabètes des produits qui sont très dangereux. Très dangereux. Heureusement, il y en a certains d'abord très chers, et puis il y en a certains qui commencent un peu à se poser la question. Voilà un peu Ça, c'est Balgat. D'abord, qu'est-ce que permettent ces produits sur le plan de l'apparence des fruits et légumes, de l'alimentation du bétail? Qu'est-ce que ça donne en apparence, d'abord? Ça donne de beaux fruits, de beaux légumes, de la masse. Par exemple, vous avez des trèves. Elles ne ressemblent absolument pas à des trèves. Oui. C'est des pommes. Oui. Elles sont bourrées de produits. Des tomates qui ne ressemblent absolument à rien. Et pourquoi on les bourre de ces produits chimiques? C'est pour qu'ils aient plus belle apparence ou pour qu'ils ne pourrissent pas? Non, il y a le poids. Oui. L'apparence et cette lutte inconsidérée contre tous les insectes, tout ce qui peut, les parasites, qui, voilà, un peu, et on ne laisse pas la plante se développer à son aise, et la plante, elle a sa propre capacité de résistance aux parasites. Hein. Et alors, la plante est un être vivant. Alors, le docteur Fethi Benachnou nous parlait tout à l'heure de ces effets qu'ont ce genre de produits sur la santé publique, l'insuffisance rénale, la cirrhose médicamenteuse, l'infertilité, le cancer. Vous pensez que l'impact de ces traitements, de ces excès, de ces dépassements, de ces saturations de produits chimiques a un effet très grave en Algérie sur la santé publique? Pour l'instant, les médecins épidémiologistes ne sont pas encore
ils n'ont pas encore travaillé cette question. Il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas de travaux de terrain. Et c'est ça qui est dommageable. Il n'y a rien, aucune recherche, aucune statistique sérieuse. Non, il n'y a pas grand-chose. Il faut être honnête. Hein. Et je rappelle que vous êtes un universitaire, que vous enseignez à l'université ce genre de... Moi, j'ai initié, rien que cette année, un travail très intéressant parce que nous avons aujourd'hui, par exemple, pour la pomme de terre, tous les sols, je dis bien tous les sols, et là je mesure ce que je dis, hein, tous les sols aujourd'hui sont attaqués par des nématodes nuisibles. Ce qui donne à la pomme de terre, si vous voulez, elle est piquée, elle est noirâtre, et elle ne résiste pas au froid, elle ne peut pas. On ne peut pas l'exporter. Elle est refusée. Automatiquement, elle est refusée. Et ça, personne ne s'en inquiète. Pourtant, au niveau des laboratoires, l'Algérie, elle est assez... il y a assez de laboratoires. Enfin, pas aux normes européennes, mais par rapport, par exemple, à l'ensemble des pays africains, y compris le Maroc, nous avons plus de laboratoires de contrôle phytosanitaire qu'au Maroc. Mais un laboratoire, quand il n'a pas les, quand il n'a aucune coercition, aucun moyen de pression sur ces personnes, sur ces faux agriculteurs, ces agriculteurs que j'appellerais les agriculteurs du sachet noir, c'est des gens qui sont très riches, ils ont fait de l'argent dans le commerce, et maintenant ils ont investi dans l'agriculture, et ils font à leur guise, ils travaillent comme ils l'entendent. Et voilà, où le gouvernement, où le pouvoir algérien règle cette question et il normalise l'agriculture et redonner place à la paysannerie, lui redonner à temps. Parce qu'il y a un instant, vous avez parlé d'exportation. C'est 50 millions de dollars. Mais en 1971, nous exportions pour 1,2 milliard. Mais il y a de quoi être complètement... Mais je ne sais pas, on a l'impression que c'est voulu. On cherche justement à plomber l'Algérie. Et restez avec nous, Sassi Belgat. Nous allons vous passer quelques images, justement, que vous parliez qu'en 71, nous produisions beaucoup plus que maintenant, et nous exportions peut-être plus que maintenant. Je vais vous montrer des images des années 1940. Vous allez voir l'Algérie d'avant. Mais j'aimerais, pour apporter de l'eau au moulin de Sassi Belgat, rappeler que la plupart de ces gens qui sont en train d'empoisonner les gens, les consommateurs en Algérie, de les tuer réellement, de les tuer, c'est le mot. Ces gens-là sont milliardaires, en effet, très, très riches. Je rappelle que le régime leur a effacé une ardoise phénoménale de dettes qu'ils avaient contractées, effacés, ils ne doivent plus rien à l'État. Quelques images, puisque de toutes les façons, pour le moment, la plupart de ce que nous mangeons, nous l'importons malheureusement. Quelques images. طلع عليك النور نعيش في هنا وسرور يا بوم العيال يا زينة البلدان ♪
صاير بيك البحر ينجم عليها قمر العديان بيك الفتخر الله ينجيك فيك الشبان قايمة ارفعوا الراية في السماء وزادولك في الشان زادولك في الشان فنات عليك الشجعان حروك من ذوك الطغيان رجعتي لمواليك يا بلاد الكرم والحسان فنات عليك الشجعان حروك من ذوك الطغيان رجعتي لمواليك زمان كنتي مستعمرة اليوم ضحيتي حرامي فضل Avant de vous poser une question en particulier, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se passe en matière animale? Là, on est en train de parler des fruits et légumes, mais et pour ce qui est de l'alimentation du bétail, qui lui aussi se retrouve dans l'assiette des Algériens, comment ça se passe en termes chimiques, j'allais dire? Sofiane Benagila? Est-ce que Sofiane Benagila est avec nous? Ah, vous m'entendez, Sofiane Benagila? Ah, Sofiane Benagila? Est-ce que vous m'entendez? Nous allons revenir vers vous dans un moment. Sofiane Benagila, il y a un souci. Et je reviens vers le docteur Fethi Benachnou. Docteur Fethi Benachnou. Alors, je reviens à vous pour les organismes que vous avez cités tout à l'heure et d'autres encore, que sais-je, qui doivent exister quelque part, même s'ils ne sont pas fonctionnels. Est-ce qu'ils ont les moyens de calculer, avec un tant soit peu de précision, l'impact qu'ont ces traitements anarchiques de produits chimiques sur l'assiette des Algériens? Oui, vous savez, il y a des normes établies, il y a des normes établies pour chaque produit chimique. Moi je dis produit chimique, on peut l'appeler comme je l'ai dit, engrais, pesticides, médicaments. Le simple comprimé de paracétamol, on peut en Algérie aujourd'hui évaluer sa concentration et sa composition. Ça, on peut le faire. Le problème se situe où? C'est que les structures que je viens de dire, en matière de santé publique, je n'ai aucune compétence agricole, en matière de santé publique, les structures qui existent, j'ai l'impression qu'elles sont marginalisées. Elles sont devenues des administrations malgré les dépenses, malgré les salaires, malgré les investissements en matériel. Et croyez-moi, il y a certains laboratoires qui possèdent du matériel très sophistiqué. Mais ça ne sert à rien dans le sens où ça n'est pas parce que j'ai acheté à coup de milliards un matériel qu'il va avoir un impact sur la vie de tous les jours. Mais où se trouve, le problème? Est-ce que c'est dans la législation? Ça veut dire qu'il y a une carence législative et réglementaire. Est-ce que c'est dans l'organisationnel? Est-ce que c'est dans les compétences? Est-ce que pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi? Oulala, il y a assez de textes réglementaires et de lois et ainsi de suite. Le problème, c'est au niveau organisationnel et préciser et déterminer les compétences de chaque structure et qu'on n'empiète pas d'une structure à une autre. Je vous donne un exemple. Vous avez parlé de recherche. Et moi, je n'aime pas entendre ce mot « recherche en Algérie ». Pourquoi? Parce que c'est trop évasif. Ce qu'il faudrait faire, par exemple, au niveau d'un marché, de quartier, à Alger ou à Constantine ou à Oran,
que des, on a, le, on a l'élément humain compétent, que l'on envahisse ce marché, que l'on prenne les produits qui sont sur place, des tomates, des poulets, et que l'on fasse une étude. Et surtout que l'on publie, qu'il faut publier, on ne publie pas. Vous avez parlé de la viande d'il y a un an ou deux ans. Moi, j'aurais aimé que l'Institut de sciences vétérinaires publie lui-même à titre scientifique qu'en est-il de cette affaire, et de publier, ça va augmenter la renommée scientifique de ces structures. Oui, mais... À ma connaissance, oui. À ce jour, il n'y a aucune publication. Alors... Et si ce n'est, par exemple, le cancer, oui. Les insuffisances rénales, les insuffisances hépatiques, il faut préciser ce qu'on dit en médecine, on appelle l'étiologie. Qu'est-ce qui a amené cette insuffisance rénale? Qu'est-ce qu'il y a? Et il faut publier. Alors que nous, on parle de recherche stratosphérique. Et c'est ça qu'il faudrait. Donc vous voyez que c'est la présence de structures qui sont scientifiques, sur lesquels on dépense, pour lesquels on dépense des sommes énormes, et pour lesquels on envoie des gens en stage à l'étranger durant, avec des bourses. Mais ici, est-ce que vous pourriez me dire le marché alimentaire d'Alger, les produits qui sont là-bas, est-ce que régulièrement ils sont bons? Les poulets, quelle est leur concentration ou pas en antibiotiques et autres. À titre historique, puisque vous avez fait un... Il y a une île au Japon, c'est la fameuse période de l'île de Nimamata, où les femmes se sont mises à mettre au monde des enfants handicapés. Ça a été le départ de la conscientisation des gens en matière de la relation, de l'impact de ce qui entre dans notre corps et de ses résultats qui sont souvent très pathologiques. Or, chez nous, l'université, je ne comprends pas, on parle de recherche, on parle de chercheurs, mais on n'a aucune... Par exemple, aux États-Unis, vous avez la FDA. FDA, ça veut dire Food and Drug Administration. Il n'y a pas une mouche qui passe sans qu'elle soit étudiée et qu'on soit prévenu et publié. Et là, par exemple, nous avons des associations de consommateurs, de protection des consommateurs, qui ne sont pas des administrations, mais qui sont réellement très fortes, 50 millions de consommateurs. Ils prennent un produit, ils l'analysent, et ils diffusent, ils disent ce produit, voilà ce qu'il pourrait se passer, voilà ce qu'on a découvert, voilà. Et restez avec nous, Fethi Benachnou, je vois qu'on n'est pas sorti de l'auberge, vraiment, c'est très grave. C'est... Je crois que nous allons voir Souyane Benagila. Souyane Benagila, vous ne pensez pas, moi, ce qu'était en train de dire le docteur Benachnou, que je remercie pour toutes les informations qu'il nous a apportées, laisse imaginer l'ampleur des dégâts. Qu'il faudra compenser, ce qu'il faudra faire, la mobilisation qu'il faudra entreprendre pour sensibiliser les gens sur les risques qu'ils courent eux-mêmes sans le savoir, puisque personne ne le leur dit. Souyane Benagila, d'abord, en termes d'alimentation du bétail, est-ce que c'est comme les légumes, les fruits et légumes? Est-ce que c'est chacun fait comme il veut? On est bien sûr que chacun fait comme il veut. Avait dit tout à l'heure, c'est un secteur complètement informé et échappe totalement. Et même s'il y avait des éditeurs, il y a, disons, une quinzaine, j'ai reçu sur le terrain, on a eu. Souyane Benagila, je suis désolé, je suis obligé de vous interrompre, on n'entend rien du tout, il y a un vrai souci. Et on me dit que c'est un problème de connexion Skype, c'est vraiment dommage. Parce que je reviens à Sassi Belgat. Sassi Belgat, comment faire pour essayer
de faire quelque chose. Comme le disait Dr Benachinou, il y a beaucoup à faire. Il faut sensibiliser les gens, les mobiliser, sensibiliser les associations de consommateurs pour qu'elles interviennent elles-mêmes, puisque les pouvoirs publics ne sont pas au rendez-vous. Oui, la responsabilité première, c'est celle de l'État. Ça, il faut le souligner, c'est un État, c'est au pouvoir public de raisonner l'agriculture. Ouais. Aujourd'hui, de par le monde, on parle de l'agriculture écologiquement raisonnable. C'est-à-dire qu'on produit de manière raisonnée, on apporte des engrais de manière raisonnée, on traite de manière raisonnée, tout en respectant à la fois et le végétal et le produit final, donc l'homme, le consommateur. C'est un écosystème, c'est un circuit un peu fermé. Donc il y a la responsabilité de l'État, il y a la responsabilité de la société, et notamment des élites. Il faudrait qu'elle se saisisse de cette question de l'agriculture parce que c'est une question centrale. Elle est liée à la sécurité alimentaire, elle est liée à la sécurité sanitaire de la époque, à l'essence même de l'État national. Donc cette question, elle n'est pas anodine, hein, donc il faut la traiter et la traiter de manière correct, en prenant toutes les dispositions. Bon, il n'est pas interdit à quelqu'un qui fait de l'argent de faire de l'agriculture, mais il faut qu'il le fasse en suivant un cahier de charges bien précis. Donc, ne le trop pas. Ça, c'est un état d'interpellation. C'est pouvoir, l'état de pouvoir coercitif, et il faut qu'il exerce ce pouvoir. Personne n'est au-dessus de loi. Ça, il s'agit de la santé et de la sécurité du pays. Et moi, personnellement, ni vous, ni que aucun de nous, Algériens, ne peut se taire et laisser les choses aller à la dérive. Vous avez le problème de la, y compris du bétail. C'est encore, je le dis peut-être pour la volaille, donc toute l'agriculture, c'est encore plus grave. Tout est dans l'informel. On le sait, moi personnellement, quand j'achète mon poulet, je l'achète chez le fermier. Je n'ai plus cette confiance du boucher. Le boucher, c'est pas de sa faute, mais il reçoit un produit qui n'est pas contrôlé, qu'on ne connaît pas, on ne sait pas comment il a été nourri, dans quelles conditions il a été élevé, etc., etc. Donc cette question, elle est urgente. Elle est urgente. Et ce n'est pas aux étrangers d'attirer notre attention. Parce que, y compris, il ne faut pas se leurrer aussi, se faire des illusions. L'Europe n'a pas intérêt à ce que l'Algérie se place sur le marché international. Et si maintenant, on ne fait rien pour produire de manière raisonné, comment voulez-vous qu'on gagne des parts de marché ? Alors que c'est notre place. L'Algérie, elle est mieux placée que le Maroc. C'est le pays méditerranéen le mieux placé de toute la Méditerranée. Il est possible d'exporter, il est possible de faire des choses, mais à condition que l'État maintenant nous dise exactement. Basta, on arrête les dégâts, on remet les choses à l'endroit, on se remet à faire une agriculture paysanne de terroir. Nous avons suffisamment de terroirs de qualité, c'est des terroirs qui sont renommés. Vous parlez de pâte, la production, elle est indépassable. L'orange algérienne, elle n'a pas un certain valeur. Les produits maraîchers, donc on peut se placer sur les produits primaires, on peut être les leaders au niveau de la Méditerranée, mais à une condition,
que l'État fasse son travail, que l'État soit présent, parce qu'on a marre de cette absence. Il y a une absence d'autorité, une absence d'État remarquée, elle est flagrante, et là ça devient très dangereux. Ça c'est Balgat. Maintenant. Ça c'est Balgat, merci. Ça c'est Balgat, merci beaucoup. Je pourrais vous écouter pendant des heures. Dommage que nous n'ayons pas pu écouter ce qu'a à nous dire Sofiane Ben Ajila. Merci à lui. Mais je promets de revenir sur ce sujet avec les mêmes invités et d'autres aussi peut-être pour aller plus en profondeur. Donc je remercie le docteur Fethi Ben Achnou, Sassi Belgat, Sofiane Ben Ajila. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi. J'aimerais juste vous répéter deux chiffres qui sont parlants à eux seuls. Le Maroc a exporté en 2017 pour à peu près 2,5 milliards de fruits et légumes vers ses clients habituels. L'Algérie a exporté 57 millions de dollars. 2,5 milliards, 57 millions de dollars. Pour la seule tomate, le Maroc a exporté pour environ 500 millions de dollars. 500 millions de dollars en une seule année. Pour l'Algérie, pour la même période et le même produit, les tomates, l'Algérie a exporté 140 000 dollars. Salam alaikum, qawala khair, sahaf tolkum.